Salut à tous et bienvenue dans Paddock Team F1, deuxième édition en compagnie de Chemi. Comment vas-tu, Chemi? Salut, bah ça va très bien. Ça va bien? T'as passé une bonne Impeccable. semaine? Ouais, fatigante, mais voilà. C'est bientôt le week-end. Content d'être avec vous pour la deuxième édition. D'accord, très bien. Et nous sommes avec un invité qui est un pilote F1, qui était dauphin de la saison, dauphin du championnat GP2 de la saison dernière, qui est Robin Wood. Comment vas-tu? Bah très bien, et vous? Ah, écoute, nous on va bien. Chimie est fatigué. Bon voilà, ça arrive. Hein. Donc Non, on va. mais j'ai la patate, Oui, t'as t'inquiète. la patate toujours. Alors, par souci de bien prononcer ton nom, et tu le verras aussi d'ailleurs pour la course qui va être diffusée de l'Australie, je vais t'appeler D'accord. Robbie, d'accord? Voilà, Ouais. parce que ça va être galère de déplacer toujours ton nom. Hein, donc on Au va pire, dire Robbie. appelle-moi par mon prénom, au pire. Non, non, Robbie. J'aime bien Robbie. Ça fait penser Robbie Gordon. T'as une as américain, tu vois. Enfin, t'as Ah, ok. tout le délire. Bref. Non, bref. D'accord. Je vais t'appeler Robbie. Hein, Chemi? Bon, y Robbie. a pas de problème. Ok, on fait comme ça. Donc, pour faire un petit peu le sommaire de cette émission, on va s'attaquer directement à l'interview de Robbie avec des questions et deux petites séquences on va dire sympathique, hein, Chemi, on a travaillé très très dur dessus, donc bon On s'est vraiment voilà. creusé les méninges dans Exactement. l'objectif de, bah, de donner un petit peu de rythme à l'émission et de la rendre un petit peu plus dynamique. Voilà, Exactement. donc et puis on va profiter d'avoir un invité tout au long de l'émission, bah, pour voilà, plutôt que de faire en gros un interview d'un seul bloc, le répartir un petit peu sur l'émission, quoi. Exactement. Ensuite, on va passer à l'actualité jeux vidéo avec notamment la sortie du jeu WRC 6. Je vais y arriver. C'est compliqué à dire, c'est super dur à Exactement, dire, très compliqué. WRC6. Ouais, commence pas à me chercher. Après, ensuite, on va passer à l'actualité sport auto avec une bonne petite actualité, Chami. Et puis, à la fin, la petite question pronostic, hein, le fameux petit concours. On donnera les comment dire, les gagnants, si je puis dire, je sais pas, ceux qui ont bien répondu. Bon, voilà. Bref, on passe à l'interview, Roby. Es-tu prêt? D'accord. Ah Eh ben, on est oui. parti. Nous voilà donc pour l'interview de l'invité, donc qui est Roby. Bah, écoute, on va commencer par le plus simple. Présente-toi. Quel âge as-tu? Ton expérience? Pourquoi as-tu choisi le forum Team F1? Comment tu l'as connu? Et comment tu te sens dans cette communauté? Voilà, fais-nous un petit topo entre guillemets de tout ça. D'accord. Bon bah pour commencer, bah j'ai 15 ans. J'ai comme tu l'as dit auparavant, j'ai fait déjà une année sur le forum. Donc j'étais en GP2, j'ai fini second. Le forum, j'ai connu par les vidéos de la saison, je crois, 12, qui était retransmise, Oui, que je cherchais effectivement. sur internet. D'accord. Et c'est ensuite après je me suis je faisais que de tourner en carrière et tout. Donc je me Ouais. suis dit pourquoi pas aller en ligne. Et donc c'est comme ça, comme j'ai vu le nom du forum, j'y suis allé, je me suis inscrit et je me sens hyper bien. Bon, bah c'est Il cool. n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce qui te plaît au final dans ce forum? L'ambiance, L'ambiance? les personnes, c'est vraiment sympa. Je sais pas comment dire, mais c'est. Disons que le cadre Oui, est voilà. sain en fait On s'y et ça. sent. Dès qu'on y arrive, on s'y sent très bien. Ouais, d'accord. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Bah, Chemi, on va commencer directement par la première séquence. Hein. Ouais. Bah je Voilà, vous ai t'es le voilà. chef, Ouais. donc je Bah te je laisse vous ai faire. préparé un petit truc pour les viewers et puis pour vous deux, un petit quiz en fait. Dis-moi, Roby, t'es un fan de F1? Oui, ça va. Un vrai fan de Qu'est-ce qu'on entend par vrai fan? F1? Donc le petit quiz en fait, bah tout simplement, je vais te montrer des images de monoplace et il va falloir D'accord. essayer de deviner bah, des petits trucs à propos de ces différentes machine. Alors D'accord. on va commencer sympa avec un qui est assez facile. Donc là, je vais simplement. Il est tellement facile que je vais te demander à la fois, on va dire, le constructeur et le pilote. D'accord. Je D'accord. dis rien, j'attends de voir s'il répond ou pas. Hein, Ouais, d'accord? voilà. Ah, tu peux jouer aussi. Hein. Ouais, je sais, je Voilà. sais. Donc, vous êtes Allez. prêts? Ok, je suis prêt, vas-y. Let's go. Hop. Ouais.
La marque et le pilote. Ouais, facile. Alors, attends, hop. Alors, bah, c'est une McLaren Honda. Bien joué. Et c'est Alain Prost. Bien joué. Bon, ça va, t'as fait simple, là. Quand même, hein, franchement, les deux, là, pas mal, pas mal. On va continuer avec... Ouais, la deuxième, elle est pas très compliquée non plus, pour être tout à fait honnête. Ouais. Disons que... là, on va jouer un petit peu à la rapidité. Ok. Là, vraiment, si je dis, si je réponds, je peux répondre. Hein. Je le laisse pas répondre si. Ouais, pas, tu peux répondre. Ok, peux ok. Répondre. Vas-y. Pour faire simple, on va dire qui est le pilote à l'écran. D'accord. Vettel. Ah bah oui. Ouais, Grady Vettel aussi. Ouais, Grady Vettel. C'est Vettel. Et du coup, allez, petit point bonus, est-ce que tu es capable de me donner le nom de cette monoplace? C'était peut-être, on dirait une F3 ou une F4. Ouais, c'est une F3. Et il faut donner quoi, le constructeur? Ouais. C'est une Mercedes, après... Alors ça, c'est le motoriste. Ah d'accord. Ouais, après, c'est une Dallara F350. Ah, c'est Dallara, ah, d'accord. Ah ouais, oui, bah oui. L'arrivée de Vettel dans la grande famille Red Bull. Ouais. Et alors, pour la dernière, je pense que celle-là, elle est un petit peu plus corsée. Allez, vas-y. Alors, la question... Vous allez pouvoir jouer tous les deux, pareil. Allez. La question de rapidité, parce que le Roby, il a l'air quand même pas mauvais. Ouais. Question, c'est veux simplement le nom d'un pilote ayant couru pour cette écurie. Ok. Alors. Alors déjà, il faut essayer de trouver. Voilà, c'est Jaguar, Weber. Irvine. Voilà, Ah, il est bon. J'ai dit Weber. Il a dit Irvine. Ouais, les deux. Roby les a deux. Dit Irvine et il a raison. Et d'ailleurs, Irvine avait fait des super bons résultats. Alors il y après, lequel des deux a dit en premier? J'ai dit Weber. Pas, ouais, mais il a dit Irvine, mais je crois juste après. Je peux dire même. Je crois que... Non, y a pas Coulthard qui a roulé dedans aussi, je crois, non? Coulthard de... Non, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr, non, j'ai des conneries. Non, Irvine, c'est vérifié, sûr. Mais... Ouais, Irvine, sûr. Pedro de la Rosa. Ouais, Pedro de la Rosa aussi, ouais, c'est vrai. Y en a un qui... Après, pour les autres, je saurais pas dire. Ouais. Attends, on va regarder la petite page Wikipédia. Johnny Herbert. Ah bah oui. Des noms qu'on n'a pas beaucoup vu. Pedro de la Rosa, Weber, Christian Klein. Alors franchement, je me souviens pas de lui. Ouais, on dit Klein. Ouais. Justin Wilson, ouais, Antonio Pizzonia, pareil, ouais. Celui-là. Et Luciano Burti. Alors ça ne va pas se prononcer Luciano parce que c'est un Brésilien. Ouais. En tout cas, franchement, il est pas mal. Franchement, ouais, grave. Bluffant quoi. Ah. Ok. Bon, bah vas-y. Franchement, sans faute, hein, j'ai envie de dire. Sans faute. Bravo, sans bravo. Merci. Chemi, ouais, continuons la dernière interview. On va pouvoir passer à la suite. Allez, vas-y. Bon, alors, Roby, j'ai été vraiment impressionné par tes connaissances en Formule 1. D'ailleurs, moi qui pensais que Sébastien allait complètement te bouffer là-dessus. Mais je l'ai laissé gagner, voyons. C'est ça, d'accord. La gentillesse. Alors, du coup, on va revenir à toi, continuer un petit peu à l'interview, faire un petit peu mieux ta connaissance. Et d'accord. Donc, pour ta première année en Formule 1 au sein de Team F1, comment est-ce que tu vis ce passage du GP2 à la Formule 1? Passage GP2 en F1, on va dire comme tout le monde peut le penser. GP2, ça se passait bien. J'ai fini dauphin. Et F1, on a fait quelques chronos sur l'Australie. Et j'ai pu voir que. Ouais, ça y a encore beaucoup à améliorer. Mais ça, j'ai aucune inquiétude, ça va venir au cours du temps. Mm-hmm. Et à force de faire des grands prix, je pense que je vais m'améliorer. D'accord. Et on va voir ce que ça va donner. Hein. D'accord. Du coup, est-ce que finalement tu te trouves à l'aise dans cette catégorie? Parce que j'imagine que même en dehors du championnat, tu dois sans doute rouler en F1 quand tu joues en solo. Et ouais. Une question qui va avec, globalement, c'est est-ce que finalement ça te met la pression? Est-ce que tu te dis, ouais, je suis un petit peu dans... J'ai vraiment gravi une marche et là, il faut vraiment que je me donne. Bah...
Vu les chronos, comme j'ai des objectifs, donc à chaque course, ça me force à donner le maximum que je peux, à franchement à tout donner, alors qu'il y a des courses en GP2, par exemple, je m'entraînais pas, ou des choses comme ça, donc GP2, on s'en lasse vite. Mais là, en F1, je pense que comme je me suis fixé des objectifs, il va falloir que je progresse, et franchement, c'est une bonne source, je pense. Ok. Et quand tu parles d'objectif, je vais faire la petite transition avec la question suivante. Moi, je trouve ça bien, un pilote qui se fixe lui-même des objectifs. Et est-ce que avec ton coéquipier, vous fixez des objectifs pour le team, on va dire? Bah, pour l'instant non, parce qu'on est encore au début de saison, donc on sait pas encore comment ça va se passer, qui va être à quel niveau, etc. Donc on va attendre quelques courses et ensuite on va voir rapidement avec quelle écurie on va pouvoir se battre. D'accord, Donc alors on va voir, mais bon. je rappelle que ton coéquipier c'est Sangohan. Ouais. Ouais. Et comment se passe pour toi la cohabitation avec lui? Comment est-ce que vous échangez finalement? Est-ce que vous passez du temps à faire des réglages ensemble, à avoir une stratégie pour les courses ou des choses comme ça? Bah, pour l'instant, on s'est envoyé quelques messages de présentation, etc. entre nous. On s'est demandé, par exemple, si quelqu'un avait pas un setup pour tel circuit ou etc. Après, on se connaît pas très bien encore, mais ça va venir comme le niveau au cours du temps. Et franchement, je pense que dès qu'on va faire quelques grands prix ensemble, ensuite on va vraiment, je pense, bien s'amuser et être bien performant, je pense. Ok, bah on espère en tout cas. On Mmh. espère que. Ouais. C'est vrai que c'était une équipe assez particulière où on s'est dit que Sangohan allait peut-être t'apporter l'expérience et toi peut-être un petit peu. De fougue. Ouais, c'est ça, la fougue, l'envie de progresser et que voilà, ça allait être une équipe intéressante à suivre. Bah, Effectivement. c'est ce qu'on va retrouver, je pense. Bah, on va voir ça tout le long de la saison, Roby. On va passer à la rubrique suivante. Deuxième séquence, Roby. La séquence, les 7 questions pit stop. Alors, on l'avait appelé Pourquoi pit question de la stop? vérité. Alors, pourquoi? Alors, déjà, on avait dit la vérité, mais on avait cette question de la vérité, mais on trouvait ça un peu nul. Et en fait, pourquoi pit stop? C'est parce que, en fait, un arrêt au stand, quoi, c'est rapide. Et là, ce qu'on va te demander, Roby, c'est d'être rapide. On va Tac au tac. voilà, du tac au tac. C'est-à-dire qu'on va te poser une question à deux réponses possibles. Tu nous réponds le plus rapidement possible. Ça Ok? marche. Ouais. Ok. T'es prêt? T'es dans les starting blocks? Je suis prêt. Ok. Attention. Perf réel ou perf identique? Perf identique. Melbourne ou Abu Dhabi? Abu Dhabi. As ou Force India? As. Côte d'Armor ou Ille-et-Vilaine? Côte d'Armor. Rock ou rap? Rock. Manette ou volant? Volant. Logitech ou Thrustmaster? Thrustmaster. Voilà. Chemi, un mot? Ouais, j'imagine que Côte d'Armor ou Ille-et-Vilaine, c'est une private joke ou un truc comme ça. Bah, c'est qu'il vient du 56 et que moi, je viens du 35. Donc, Ah! voilà. Exactement, c'est une 56, c'est private joke. Morbihan. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est la voix. Ça reste Ouais, bon, le la voix de 29, c'est ça, oui. la... Ouais, bon, ça va, ça Ah! va, ça va. Ça doit faire très très longtemps que tu n'y es pas allé. Ouais, non, je me suis À l'époque, embrouillé, c'était moi. encore les anciens numéros, ouais, c'est pour C'est ça. ça, exactement. Changement de région m'a bouleversé. Bref. Ok, bah très bien. On passe à la suite de l'interview. Chemi, c'est à toi. Tout à l'heure, on a un petit peu introduit finalement tes objectifs pour cette saison sans vraiment en parler. Tu nous as dit que tu te fixais toi-même des objectifs pour chaque course. Et concrètement, pour la fin de saison, dans le classement final, où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu t'es fixé un objectif ou un rang minimum à atteindre? Pour la fin de saison, bon, déjà j'espère qu'on sera un bon nombre de pilotes et assez régulier. Donc je pense qu'on va tourner vers les 15 pilotes au final.
L'objectif, ben, c'est être un top 10. Et après, bon, là, on est au début de saison, donc on ne sait pas encore. On verra si ça peut être atteignable ou pas. Mais celui que je me fixe en premier, c'est le top 10. Après, on verra comment ça va se dérouler. Mais voilà, c'est le top 10. Ok, donc finalement assez réaliste quoi, tu penses? Ou peut-être Oui, que enfin, il faut pas viser non plus trop, parce que ça, je pense que ça servira à rien. Ça pourrait être une source de démotivation, parce qu'on n'arriverait pas à réussir. Mais voilà, je me fixe des objectifs qui sont atteignables. Et puis au pire, ce sera mieux de pouvoir se dire oh non, peut-être que je peux viser un top 8 ou quelque chose comme ça, de progresser plutôt que viser un peu plus bas. Est-ce que tu t'es fixé des petits objectifs, on va dire des petits achievements personnels, par exemple une pole, peut-être une victoire ou au moins un certain nombre de podiums? T'as du Pour moi, en bonus quoi, non? podium, oui, pour moi, en podium, en F1, dans cette catégorie, ce serait, je pense, un top 5. Un top 5, pour moi, ce serait comme un podium. Je serais Mais vraiment t'aurais très la même heureux. satisfaction quoi. Oui. Ok. Et est-ce que ton coéquipier Sangohan, lui, tu sais s'il s'est fixé des objectifs pour cette saison? Je ne sais pas du tout, on n'a pas encore parlé de ça. Faudra lui demander, tiens. Ah, Faudra lui en demander. vrai, c'est une reprise. C'est une reprise pour lui aussi. Hein. Donc, Oui. je pense que c'est plus une première partie de saison où il va tâter un peu le terrain, voir où il en est au terme de niveau. Et puis, je pense que sur une deuxième partie, peut-être essayer de décrocher des petits objectifs perso comme tu dis, des achievements comme tu le dis si bien, Chimie. Donc moi, enfin moi je vois la chose comme ça. Après je sais pas, faudra l'inviter Après, peut-être. Hein, je me fais pas de soucis pour lui après, donc. bon. Ok, dernière question, Roby, pour cette interview. On va ouvrir un petit peu notre champ de vision. La question en fait, elle est assez simple. Est-ce que cette année tu te concentres exclusivement sur F1 2016 ou est-ce que tu vas passer du temps sur Project Cars? Notamment cette question parce qu'on sait que tu es le champion Formule Renault sur du forum Team F1 en tout cas sur Project Cars. Ouais. Ça dépend s'il y aura des championnats. Normalement, apparemment, il devrait y en avoir au moins un. Après, voir quand ça se passerait, etc. Mais s'il y en a un, Project Cars est un jeu que j'aime bien. Donc, c'est sûr que des fois, je tournerai plus sur Project Cars que sur F1. Puis ça dépend aussi si de le temps que j'aurai. Donc c'est tu mets t'en mets pas un en priorité par rapport à l'autre quoi, il n'y a pas de favori entre le championnat F1 ou Après, ça un. dépend si dans le championnat F1, je vois que j'atteins pas les objectifs que je me suis fixés, j'ai peut-être travaillé plus. Et après, et dans le cas inverse, si je vois que ça se passe plutôt bien, je pourrais me concentrer un peu plus sur Project Cars. Ok, et puis ça veut dire également un championnat qui te plaît, parce que là on a parlé de la Formule Renault, mais si c'est un championnat sur Project Cars qui te plaît pas, forcément, t'auras forcément moins envie d'y passer du temps. Après, c'est surtout que Project Cars, c'est un jeu donc on peut avoir plusieurs catégories. Donc c'est ça qui est très bien dans ce jeu. On a déjà fait du GT3, on a fait de la Formule Renault 3.5 et du LMP1. Et franchement, ça permet de changer de la F1. Ça Ouais, ça te permet plaît un petit de... peu d'explorer les autres Oui. catégories du coup. Oui, franchement, c'est un peu comme une sorte de nouveau pilotage, parce que se passer d'une monoplace à une LMP1 ou une GT3. Le comportement est différent, donc franchement, oui, c'est très sympa. Et puis c'est. Ça va, t'as pas trop de mal du coup à retrouver tes marques entre les deux softs quoi, de passer de l'un à l'autre, tu te réhabitues assez facilement, ça va? Ah, au début, un peu de mal, mais après, bon, on reprend vite les habitudes. Ok, et bah écoute, merci à toi, merci de nous avoir répondu. On va te garder un petit Ben, peu avec merci. nous et on va en gros passer à la suite de la suite de l'émission. Je vais faire la transition directement puisqu'on a parlé de Project Cars. On va ouvrir un petit peu notre champ de vision sur la scène du sim racing ou des jeux vidéo et on va parler tout de suite en fait de l'actualité jeux vidéo, ce qui nous a
interpellé cette semaine, ce qu'on a décidé de voir ensemble dans l'émission, c'est la sortie du jeu WRC6. Exactement. Oui. Exactement. Non. Vas-y, vas-y. Ouais, je te laisse enchaîner si tu veux nous. Mais il n'y a pas de problème, alors on enchaîne. Bah, écoutez, WRC6, là j'ai réussi à le dire. Donc c'est un jeu qui est sorti. La date, rappelle-moi, c'est la date, je ne sais plus. Une semaine, ouais, 8 octobre, semaine. Je crois. Le 7, ouais, le 7. Ouais, le 7, ou 8, bref. Donc voilà, un jeu donc à la suite du 5 qui avait proposé, enfin qui avait pas mal de défauts, mais qui proposait un bel avenir. Il y avait même des compétitions e-sport qui étaient dessus, donc un jeu qui méritait d'être approfondi et malheureusement Chemi c'est pas vraiment ça. Alors comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'on avait un WRC5 prometteur. Mm-hmm. Ces deux opus là ont la particularité d'être développés par un studio français. Ouais. Malheureusement j'ai pas retenu le nom. Toujours est-il qu'ils reprennent le flambeau derrière Milestone. Milestone par exemple, ce sont les développeurs de la franchise MotoGP. Ouais. Donc c'est sympa de confier un petit peu la franchise à un nouveau studio. Bien sûr, il y a du mieux, mais comme tu dis, c'est pas encore ça. Et globalement, on va dire qu'on est un peu en dessous des. C'est surtout, on est un petit peu en dessous de la concurrence. Quoi. C'est ça, exemple. Big Ben Interactive pour te répondre. Ouais, ça doit être l'éditeur. Ouais. Non, je crois pas. Enfin bref. Ok. Donc ouais, effectivement, un peu en dessous. Des graphiques qui sont pas super. Hein, faut dire ce qu'il y a. Ouais, ça reste honnête. Ouais. Mais comme tu dis, par rapport à un Dirt Rally, voilà, il y a pas photo. Hein. Donc voilà, les sensations sont pas tip top. Ça a l'air d'être beaucoup plus arcade qu'autre chose. Ouais, bon. Ça c'est vrai. C'est vraiment très flagrant, même quand on regarde des vidéos de gameplay. Ouais. C'est là-dessus. Moi, je veux dire, je m'attache pas trop au graphisme ni à l'interface. Et là, je l'attendais au tournant. Et voilà. C'est sûr que c'est toujours mieux de pouvoir tester un jeu chez soi, dans des bons réglages, avec exactement le même matériel pour comparer les différents jeux. Mais toutes les vidéos que j'ai pu regarder, c'est flagrant, ça saute aux yeux, il y a des petits problèmes, des gros problèmes, c'est selon, mais c'est clair qu'on sent qu'au niveau du réalisme et de la sensation, comme tu le disais tout à l'heure, tu faisais la comparaison avec Dirt Rally. Dirt Rally est mauvais sur l'asphalte, malheureusement, c'est son gros défaut, mais alors là, WRC6 sur l'asphalte, c'est carrément catastrophique. Ouais. Bon, après, les points positifs, c'est qu'ils ont toutes les licences. Et ils ont pas mal de contenu en termes de spécial. Ils ont le multijoueur en écran scindé pour jouer entre amis. Bon, bah, c'est toujours un petit plus, hein. Ouais. Ce qui est dommage, voilà. C'est d'avoir la licence officielle, évidemment, WRC, et de ne pas proposer de voitures de rallye classiques. Les vieilles, ça c'est super sympa. Exactement. Bah, c'est un peu comme F1 Codemaster, en tout cas, a essayé de proposer ça. Je crois que c'était sur le 2013, avec des voitures à l'ancienne. Ils ont vite arrêté. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour on aura un très bon jeu, soit F1 ou que ce soit WRC, et qui arrive à synthétiser les époques, merci. Ouais. Mais bon. Globalement, donc, malheureusement, c'est un peu le même constat du côté des deux roues avec Milestone qui développait le jeu MotoGP, ouais. Remplacé aujourd'hui, donc c'est bon, Valentino Rossi The Game. Et globalement, on a l'impression que à partir du moment où on a réussi à avoir la licence officielle, c'est bon, c'est le jackpot, et puis c'est pas grave si on développe pas un super jeu. Exactement. C'est peut-être un petit peu méchant ce que je vais dire, mais on a de bien meilleures surprises du côté des studios qui. Ouais. Qui sont pas forcément indépendants, mais qui ne basent pas leur contenu sur un reflet d'une compétition actuelle. Ouais, exactement. Roby, est-ce que tu en as vu un petit peu sur ce jeu? Est-ce que tu joues à des jeux de rallye? Est-ce que tu as déjà joué à des jeux de rallye? Et tout simplement, est-ce que après ça, je ne pense pas, mais est-ce que tu avais pour intention de prendre ce jeu, Roby? Alors j'ai commencé le jeu de rallye sur PS2, ouais. PS3 ensuite. Sur la PS4 j'avais pris un moment WRC5, ouais. Parce que ça faisait longtemps que j'ai pas joué au jeu de rallye. Ouais. Et c'est un peu comme le disait Chemi, c'est que WRC c'est plus sur le jeu arcade, et Dirt Rally c'est plus axé sur, on va dire, simulation.
Ouais. Et Ouais. c'est pour ça que je sais que, ayant eu pas longtemps un volant, j'ai fait la comparaison volant et manette sur WRC5. Et c'est bizarre, mais je arrive beaucoup mieux avec la manette qu'avec le volant. Ah oui, ça Ouais. Donc, c'est bon à savoir, ça, effectivement. ouais. Alors, moi je vais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai le souvenir sur PlayStation 2 de WRC2 qui, pour moi, à l'époque, était vraiment très bon. Et pour le Ouais. coup, à l'époque, il écrasait les autres. Alors, il n'y avait pas beaucoup, hein, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, mais il était meilleur que les Colin McRae. Pour moi, à l'époque, ouais, vraiment, ça devait être Codemaster aussi, à l'époque. Bah oui, c'est l'éditeur, en tout cas. WRC2, il était excellent. Et dans le même état d'esprit par rapport à ce que tu viens de dire, moi je me souviens des premiers Dirt, j'avais pas du tout aimé. J'avais trouvé ça justement hyper Arcade. arcade, hyper fouillis. Un contenu hyper riche, avec plein de catégories différentes, ça c'était Ouais, assez c'est vrai. sympa. Mais Rallycross, finalement, 4x4, tout ouais, voilà, il y ça. avait aussi les. Pas le Baramille, mais les espèces Ouais, de trucks américains. exactement, avec les boss et tout ça. Ouais, très Ouais, intéressant, et ouais. franchement, moi j'ai vraiment apprécié la cassure avec Dirt Rally. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé que pour moi c'était une excellente surprise et j'adore passer du temps sur Dirt Rally. D'accord, très bien, très bien. Bah messieurs, on va passer à l'actualité sport auto. Messieurs, voilà, nous passons donc au dernier chapitre, si je puis dire, l'actualité sport auto, avec comme actualité phare. Bon, la course s'est passée il y a 5 jours, 5-6 jours, mais bon, voilà, c'est le Grand Prix du Japon qui nous intéresse pour cette émission. Et on va commencer par le premier point, messieurs, et j'allais dire. J'ai l'impression que c'est une répétition, c'est le mauvais départ d'Hamilton. Qu'est-ce que vous pensez encore de. Bah, il doit se racheter un embrayage, j'en sais rien, il a un problème de régime moteur, mais à chaque fois, il se rate dans les départs. C'est quand même. Enfin, moi, je trouve ça quand même incroyable. Et surtout qu'il est passé de la deuxième à la huitième place en quoi? En 400 mètres. Donc, Chemi, pour commencer. Justement, tu introduisais ça en parlant d'un mauvais départ. Non, là, c'est un départ complètement raté. Ouais, ah oui, c'est clair. C'est clair. Bon, maintenant, ça peut arriver. En effet, c'est vrai que c'est assez récurrent chez Lewis Hamilton. C'est arrivé plusieurs fois, surtout quand il signait la pole, de se faire avoir au départ. Et puis, bon, moi, en même temps, c'est sympa. Ça donne un petit peu de piment. Ça anime les premiers tours de course. Mais bon, bah, peut-être qu'on voit Lewis Hamilton comme un mec hyper facile qui s'en sort super bien, mais peut-être que non, il a peut-être un petit peu de stress au départ comme les autres, ou simplement, comme tu dis, un problème d'embrayage. Roby, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, c'est un départ, mais complètement, mais catastrophique, quoi. Parce qu'encore un départ raté, on peut se retrouver à la 4-5e place, mais alors là, il s'est fait mais manger. Et comme tu as dit, il s'est vite retrouvé 8-9e, donc. Je dirais même C'est que vrai que. c'est limite dangereux parce que quand on voit les Oui, images, oui. Oui, Vettel s'est il y fait a. surprendre. Ouais, Vettel s'est fait surprendre. Faut savoir aussi que c'était le seul pilote à ce qu'on veuille sécher la piste Oui, qu'on sèche à la sa piste devant place. lui. Exactement. Donc, bon, c'est dommage pour lui, mais voilà, ça devient vraiment une répétition. Passons au deuxième point. Alors, on va juste se contenter du pilote, parce que je sais qu'il y a un deuxième pilote qui fait ça, et qu'on va parler après, mais on parle juste de ce pilote-là. C'est une défense, on va dire, encore très, très. Comment je pourrais expliquer ça? Couillu, si je puis dire, voilà. Je dirais même une défense limite illicite. Je sais pas si vous avez vu, vers le 20e, 21e tour, Sainz qui protégeait sa place face à Gutiérrez, et tout simplement, il lui a coupé la route. Il lui a coupé la route, et Gutiérrez a parti en tête à queue parce qu'il a bloqué les quatre fers pour essayer de l'accrocher, quoi, tout simplement. Et Sainz, cette saison, c'est beaucoup de freinage, retardement, avec changement de direction. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que c'est pénalisable, bien entendu? Globalement, je pense que tu as à peu près tout dit. Cette saison et même la saison dernière, Sainz nous a habitués à des petites manœuvres un petit peu dangereuses. Et puis c'est exactement ça. Moi j'ai découvert ce point du règlement ce week-end, puisque comme tu dis, il n'a pas été le seul à le faire. Je savais pas qu'on n'avait pas le droit de changer. Je savais qu'on avait le droit de changer de ligne qu'une seule fois, mais je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de changer de ligne à partir du moment où on avait attrapé les freins. Et en effet, c'est exactement ça.
quand, à partir du moment où on est sur les freins, et puis que le pilote devant il défend sa place en mettant un petit coup de volant, bon bah voilà, c'est comme tu dis, la petite panique et on bloque les roues et on part en tête à queue. Mm-hmm. Bah tout simplement, ouais, tout simplement. Il y a un règlement qui est assez intelligent et finalement, hein, quand on y réfléchit, il est quand même assez bien fait. Et voilà, il l'applique pas. Comme le disaient les commentateurs lors du Grand Prix, il y a certains pilotes qui prennent des avertissements. Il y a un moment où il y a un règlement, il y a une règle, et si on la respecte pas, on est dans la faute. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire un avertissement, on ne respecte pas, on est sanctionné. Donc oui, pour moi, je pense que c'est sanctionnable. Surtout ouais. que le pilote sait qu'il fait, il contrevient au règlement. Mmh. Roby, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes bien le pilote d'ailleurs? Sainz? Ouais. Oui, ça va, sans ouais. plus, mais oui, c'est pas un pilote que j'apprécie pas. Ouais, il est pas très médiatisé voilà. en même temps par rapport à d'autres. Oui, ouais, c'est ça. Mais enfin, sinon, après, je suis du même avis que vous, mais c'est surtout que, enfin, on a vu que maintenant, il y a beaucoup de pilotes qui sont un peu plus, on va dire, dangereux, si on peut appeler ça comme ça, dans leur mouvement. Mmh, bien sûr, ouais, bien sûr. Que ce soit défense ou attaque. Ouais, on a vu qu'il y a certains pilotes comme ça. Qui sont un peu plus offensifs sur ça, donc ça peut être bien par exemple, pour l'animation, mais voilà, ça peut être aussi très dangereux pour les pilotes. Alors, qui font des mouvements comme ça. Ouais, désolé, je voudrais surtout pas qu'on interprète mal mes propos, parce qu'on en a parlé la dernière fois avec Ricky, on disait que c'est vrai qu'on commençait un petit peu à s'ennuyer parfois devant les Grands Prix. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument avoir des Grands Prix complètement sécurisés, safe, insipides. Bien sûr, je suis pour la bataille, etc. Simplement, le règlement aujourd'hui dit qu'on n'a pas le droit de le faire, on le fait pas, tout simplement. Après, je dis pas, si on veut du spectacle ou quoi que ce soit, à ce moment-là, on change le règlement. Mais je dis pas que le règlement est parfait, hein. Mais c'est vraiment sur le fait qu'il y a une règle, c'est la même pour toutes et il faut l'appliquer. Bah, si c'est pour des questions de sécurité. C'est surtout qu'il l'a fait quelques tours plus tard sur Massa. Massa qui avait pris l'aspiration, le DRS, et ils sont quoi, 320, 330 au bout de la ligne droite. Et ouais. Il se décale à l'intérieur et Sainz fait pareil très rapidement. Et franchement, bon. C'était proche quoi, et on voit qu'il lâche un petit peu l'accélérateur pour rechanger de trajectoire. Enfin les images sont sur la vidéo, enfin dans l'émission, hein. Vous voyez normalement les images, et enfin ok, une défense rude, il n'y a pas de souci, mais au point d'être, enfin franchement, c'est limite de l'inconscience à une vitesse pareille quoi. Donc moi je suis pas trop fan, franchement je suis pas trop fan, donc voilà. Prochain point, très rapide. Pouce rouge pour Mr. Sainz. Donc. Exactement. prochain point qu'on va aborder, c'est la mauvaise stratégie de Vettel. Vettel avait des chances de pouvoir assurer une troisième place, soit en essayant d'être devant Hamilton, soit en essayant d'être devant Verstappen et qu'Hamilton le dépasse. Enfin, bref, voilà. Il pouvait avoir cette troisième place et je trouve que sa stratégie, que l'écurie Ferrari a utilisé la mauvaise stratégie pour ce pilote. Roby, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que Vettel a. Enfin, que son écurie l'a un peu cramé sur ce Grand Prix? Bah, j'ai envie de dire, enfin, sur ce Grand Prix, même sur toute la saison. Parce que ouais. Souvent, Ferrari a eu la plupart du temps, aurait pu faire de bons résultats, mais ouais. Ils sont passés, on va dire, à côté, et c'est quasiment la plupart du temps à cause de la stratégie. Ouais. Surtout, enfin, là, c'était Vettel qui est, pour cette saison, pour moi en tout cas, derrière Raikkonen. Ouais. Il n'y a pas photo. Uh-huh. Vettel, on le voit plus du tout. Donc, franchement, là, c'était une occasion de se remontrer, si on peut dire sur ça le comme podium. Ça. Mm-hmm. Voilà, il passe à côté. Bon, après, ils ont fait ça. Hein. Ouais, bien sûr. La course est faite. Exactement. Chemi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, tu me piques tout simplement mon flop. Parce que je savais que tu allais me poser la question. Et c'était ah ça, bah non, c'était mais vraiment... le top et flop, ça sera après. Alors, voilà. Donc, tu le remettras tout à l'heure. Ok. Bah, oui, en soi... Moi, j'ai été satisfait par le début du Grand Prix de Vettel. Il oui, efface, bon, alors évidemment, le mauvais départ d'Hamilton, mais il efface complètement sa pénalité ouais, dès le ouais, départ. Ouais. Mmh. Et il avait un très bon rythme. Ouais, très très bon rythme.
Par contre, c'est vrai que il ressort des stands derrière Hamilton. Il a eu franchement une occasion de le dépasser. Et il a pas, il a pas pu. Et derrière, Hamilton s'envole. Et donc, ouais, je me dis, finalement, s'il était ressorti devant, est-ce qu'il n'aurait pas fini par se faire bouffer par Hamilton? Mais dans tous les cas, ouais, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir la Ferrari monter sur le podium. Ouais. Justement, on va passer au deuxième pilote qui adore faire des défenses à la limite de... Comment dire, c'est l'acceptable. Hein. Voilà, exactement, qui est Verstappen. Avant-dernier tour, je mets un petit peu le décor. Avant-dernier tour, Verstappen est deuxième, Hamilton troisième. Nous arrivons à la fameuse chicane qui précède la ligne droite des stands. Et Hamilton commence à s'engouffrer à l'intérieur, c'est bien ça, voilà. Et Verstappen refait la même chose que Sainz, c'est-à-dire qu'il... Il lui coupe la route, Hamilton se met à l'extérieur et pour l'éviter, il est obligé de court-circuiter la chicane. Est-ce que Sainz Verstappen, c'est un peu le même combat, Chemi? Alors, oui et non. Oui, parce que, comme tu l'as dit, Max Verstappen nous a habitués à ce genre de manœuvre. Ouais. Et en même temps, non, parce que là, dans un, voilà, c'est l'avant-dernier tour, c'est la deuxième place. Ouais, je comprends, ouais, que là, vraiment, on sort les crocs. D'accord. C'est beaucoup plus compréhensible, ouais, que pour quelqu'un qui se bat dans le fond de la grille. Par, d'accord, contre, comme c'est hyper répétitif, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu lourd. Bah, Mercedes avait déposé une réclamation qu'ils ont abandonnée quelques heures plus tard. Ouais, alors tu ne m'as pas posé la question, mais je vais la devancer. Par contre, pour un pilote comme Lewis Hamilton, tenter le dépassement ici sur un pilote qui est Max Verstappen, il faut quand même s'attendre à ce que ça tourne mal. Ouais. Donc, voilà. Je pense que, alors peut-être qu'il l'a fait consciemment. Hein. Soit ça, soit il savait très bien, il s'est dit allez, je tente tout pour le tout, sachant qu'il va me faire une crasse, mais tant pis, je tente. Mais je pense que sinon, ouais, c'est avec un pilote comme celui-là, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour tenter un dépassement. Ouais. Roby, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es du même avis que Chemi? Bah, je vais continuer sur ce qu'a dit Chemi. C'est surtout que, enfin, juste après, il y a la zone DRS de la ligne droite des stands. Donc, sachant que ce sera le dernier tour, pourquoi pas tenter là, quoi? Parce qu'après, il y a à part la ligne droite juste avant le 130R, ouais, il n'y aura pas d'autre occasion. Donc, je sais pas pourquoi il n'aurait pas attendu sagement, on va dire. Ouais. Sachant qu'avec le bloc Mercedes, il n'aurait pas eu trop de soucis. Ouais. C'est vrai que c'est un peu... D'accord. Oui, bah effectivement, peut-être une mauvaise stratégie en termes de dépassement. C'est sûrement le cas. Mais enfin bon, comme tu dis, la course est finie. Donc voilà. Maintenant, il a plus qu'à se manger les doigts. Dernier point avant de passer au débrief podium, assez rapide. Est-ce que au final, ça serait pas l'année de Rosberg? Roby, allez, commence par toi. Oui, à mon avis, oui. Pour toi, il est champion. Il devrait champion, finir champion. Pas encore, mais oui. Franchement, s'il finit pas champion, je pense qu'il fera, mais il pourra vraiment se regretter, mais à un point. Ouais. Parce que franchement, on va dire qu'il peut pas rêver mieux dans tout ce qui peut arriver à Lewis Hamilton. Franchement, il peut pas. Ouais. Encore les deux années, il n'y a pas à dire, Hamilton était vraiment au-dessus. Mm-hmm. Mais là, il a joué aussi de beaucoup de problèmes, etc. Ouais. Mais voilà, c'est l'année où il faut être champion, où il peut être champion, c'est là. Maintenant. Mmh. Ouais. Chemi, est-ce que t'es du même avis? Ouais, mais en tout cas, moi j'espère. J'aimerais bien voir Nico Rosberg champion. Ouais, d'accord. Il le mérite en tout cas. Ouais. D'accord. En fait, c'est surtout pour son début de saison très 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 bon. Et la fin de saison dernière. Oui, aussi. Et puis, ouais. On voit que. Il a quand même mis un bon coup de collier aussi ces derniers Grands Prix. Il enchaîne les pôles. Il est constant. Il a la confiance. Je trouve qu'il est solide et on est beaucoup moins dans la polémique du milieu de saison dernière où c'était un petit peu est-ce que Rosberg il fait pas des manœuvres un petit peu ceci cela. Moi, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, il y avait une de ces tensions entre les deux pilotes. Ah, là, c'est fini. C'est Rosberg est devant et le mérite et c'est tout. Ouais, effectivement. On va passer au débrief podium. Podium qui est donc constitué de Rosberg, Verstappen et Hamilton.
Roby, tu vas me dire ce que tu penses un petit peu de podium et ce qui te plaît, et tu vas me donner un pilote top et un pilote flop. D'accord ? D'accord. Allez, vas-y, je t'écoute. Pour le podium, ouais, je pense qu'on s'y attendait un peu. Ensuite, est-ce que dans le même ordre, ça a à voir ? Mais ouais, un beau podium avec ces trois pilotes. Verstappen qui arrive à se hisser en seconde place malgré la manœuvre dont on a parlé. Ouais. Ensuite, pilote flop et top. J'ai envie de dire, tout le monde est un peu à sa place. Donc après, peut-être en flop, les McLaren qui finissent très loin. D'accord, 16 et 18. Oui. Après, top. Ouais, c'est difficile à dire, parce que tout le monde va dire à sa place. Il n'y a pas de gros. Bah, alors, mets ton pilote de cœur dans ce cas-là. Voilà. Mets ton pilote de cœur. Lâche-toi. Pilote de cœur, c'est Verstappen, hein, donc la deuxième place. Ouais, donc un pilote top, ouais. Verstappen. Très bien. Très bien, très bien. Chimmy, nous t'écoutons. Moi, pour le podium, pas grand-chose à dire non plus. J'aurais aimé. Je trouve que Sébastien Vettel aurait mérité d'être sur la troisième marche. Félicitations à Max Verstappen qui prouve encore une fois qu'il est quand même très bon. Hein. Ouais. Deuxième place pour nous. Ouais. Puis bon, pour enchaîner tout de suite avec les tops et les flops, j'aurais franchement pour la performance, j'aurais mis Max Verstappen en top. Malheureusement, à deux tours de la fin, il m'a fait changer d'avis. Ouais. Et comme l'a dit Roby, c'est vrai que finalement tout le monde est un petit peu à sa place, il n'y a pas eu de truc extraordinaire. Je dirais simplement Hülkenberg pour son dépassement sur Bottas, et il m'a fait rigoler. Excellent. Ouais, see you later. Exactement. Et un flop Et malheureusement, c'est Vettel quoi. Vettel. Mais c'est plus Ferrari de façon. Ouais, ils sont écœurés. Et peut-être, moi j'ai l'impression quand même qu'il a lâché le truc. Ouais. Quand il a vu qu'il n'a pas réussi à doubler. Ouais, parce que ses pneus n'allaient pas tenir s'il continue à ce rythme-là, de toute façon. Ouais, mais ça donnait l'impression qu'il disait bon, tant pis, quatrième, c'est déjà pas mal par rapport à tout ce qui m'est arrivé avant. Ouais. J'avais l'impression qu'il voulait plus trop se battre. Bon, après, bon, on n'était pas dans le baquet à sa place. Alors, le podium me plaît moyen parce que pour moi, Vettel méritait au moins une troisième place. Donc voilà. Ça m'embête un peu. Lewis Hamilton, dans ce malheur, a quand même profité de pas mal de trafic de ses adversaires. Et donc bien joué à Mercedes hein, pour la stratégie. Donc voilà. Concernant les pilotes top et les pilotes flop, alors le pilote top. Alors, je vais être chauvin, je le sais. Mais j'ai beaucoup aimé la course de Romain Grosjean, bon, qui finit 11e, qui n'est pas dans les points, bon, ça, ok, y a pas de souci. Mais je l'ai senti très à l'aise avec sa monoplace. Il a fait de très bonnes qualifications, je crois qu'il était en Q3. Bon, malheureusement, il n'a pas eu de super bon pit stop, comme dirait notre cher ami Chemi. Donc voilà, après il est resté bloqué derrière les Williams. Et, voilà, c'est dommage parce qu'il méritait d'être dans les points. Donc voilà, moi je suis content un petit peu parce qu'ils ont trouvé le problème pour ses freins. Donc j'espère qu'aux États-Unis ça va mieux se passer. Et les flops, c'est un peu comme Roby, c'est pareil, c'est les McLaren. Ils avaient montré de belles capacités avec leurs nouvelles pièces en Malaisie. Et au Japon, face à leur public, c'était catastrophique. Autant l'année dernière, ils disaient que c'était un moteur de GP2, autant le moteur va mieux, mais ils avaient pas l'aéro. Alors on va comprendre pourquoi, alors qu'ils sont censés avoir un châssis, je vais pas dire du même niveau que la Red Bull, mais un bon châssis, quoi. Donc voilà, c'est, je trouve ça dommage que McLaren ait raté son Grand Prix du Japon. Donc voilà. On passe vite fait à l'actu. On a deux actus importantes. On va commencer par une actu transfert, mon cher Chemi, je vais y arriver. Ça va le faire. Hülkenberg chez Renault en 2017, c'est officiel. Ouais, alors ça, c'est une info qui, moi, me fait pas spécialement plaisir. D'accord. Parce que j'aime bien Hülkenberg. Et c'est un pilote qui finalement
il a pas le résultat, quoi. Je crois qu'il a dû faire un podium ou un truc comme ça dans sa carrière. Peut-être même. Je sais pas. C'est ça, c'est un super. C'est un bon pilote, il roule bien. Bah, il était. Enfin, il avait signé un pré-contrat chez Ferrari, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a quelques années. Ce qui m'embête là, c'est de me dire qu'il a participé un petit peu à la montée en force, la montée en puissance de la Force India il y a quelques saisons de ça. Ouais. Il a déjà été dans les avant-postes, mais jamais vraiment brillé par rapport à Perez. Ouais. Et là, il va se retrouver chez Renault, mais pourquoi faire, quoi ? L'argent ? Bah, l'argent, d'accord, mais je veux dire, si un jour il rêve de podium et de victoire, ce sera pas chez Renault, quoi. Ouais. En tout cas, pas chez Renault en 2017. D'accord. Robbie, en quelques mots, qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est un peu, on va dire, une petite surprise. Ouais. Mais j'attendais plutôt partir en WEC. Hein. Ah ouais. Carrément. Surtout que comme Weber prend sa retraite. Effectivement, ça aurait pu être. À un moment, je me suis dit pourquoi pas, parce que on sait très bien, en F1, comme a dit Chemi, qu'il a, il a jamais eu de, va dire, de grandes performances. Ouais, ouais. Bon, souvent dans l'ombre de Perez. Bon, ça, c'est comme ça. Mm-hmm. Mais je pense. Il se serait peut-être mieux, je pense, en endurance. Ouais, tu penses. C'est vrai qu'il a été très bon avec Porsche aux 24 heures du Mans, donc ça aurait été intéressant de le voir. Très bien, très bien. Dernière info, Formule E, première épreuve, hein, c'était le début du championnat Formule électrique à Hong Kong, avant de faire un mini débrief. Chemi, donne-moi un peu le podium et la position des Français lors de cette course. Alors, le podium, il est tout sauf, pas exceptionnel, mais étonnant, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, on retrouve en première position Sébastien Buemi, ouais. En deuxième position Di Grassi et en troisième Heidfeld. Voilà. Ah bon, globalement, c'est ceux qui ont trusté la saison précédente. Ouais. Étonnamment, trois anciens pilotes de Formule 1. Ouais. Voilà, donc pas trop de surprises franchement au niveau de ce podium. Et par contre, pour ce qui est de nos petits Frenchies, on a la 4e place pour Duval, 9e place pour Sarrazin, Jean-Éric Vergne 12e, ouais. Pas forcément énorme, et Nicolas Prost, lui qui termine à la 16e position, mais parce qu'il a eu quelques petits soucis. C'est ça, exactement. Il a eu, je crois qu'il a eu un souci dans les stands, si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs. Donc il finit à 4 tours. Vergne a eu des soucis aussi. Il a dû s'accrocher, si je dis pas de bêtises. Pareil pour son coéquipier Sam Bird qui a eu des problèmes au niveau de la pédale d'accélération. Donc voilà. Simplement, bon voilà, circuit de Hong Kong pour moi perso, j'ai. Alors, la course était quand même assez intéressante, mais j'ai pas du tout aimé la piste. Une piste très très étroite, c'est une piste urbaine, enfin un circuit urbain. Oui, la formule électrique, tout à fait. Voilà, exactement. Mais j'ai trouvé le circuit déjà, je sais pas, pas fluide entre guillemets en soi, et très étroit. Et ça a apporté en fait beaucoup d'embouteillages. On voyait des pilotes à trois de front, mais c'était pas impressionnant parce qu'ils étaient obligés de faire attention à eux, et donc on voyait des monoplaces qui ça roule déjà pas très très vite les formules électriques comparé à la F1, mais là c'était encore pire, quoi. Donc c'était, je sais pas, j'ai pas trop aimé cette première épreuve. Donc voilà. Est-ce que tu as vu la course Formule E de Robbie? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai vu quelques résultats, le tracé, etc. Ouais. C'est vrai que le tracé n'est pas fameux. Non, ils pas fameux. Ils parlaient aussi d'une chicane qui paraissait dangereuse. Ouais, ouais, ouais. Sur ce que j'avais pu voir. Oui, il y a eu un drapeau jaune à cause de ça, avec une monoplace qui rentrait dedans, tout court. Donc, bon. Voilà, après, et sinon. Sur le classement. Mmh, ouais. Comme a dit Chemi, rien d'étonnant, on reprend les mêmes de l'année dernière et c'est reparti. D'accord, très bien, très bien. Avant de finir cette vidéo, on passe à la question concours. La question précédente, c'était, je vous dis pas de bêtises, c'était qui a fait la pole
Qui fera la pole. Qui fera la pole, merci. Au Grand Prix de Bahreïn. Au Grand Prix de Bahreïn. Et il y a une personne qui a bien répondu. C'est Paraguayan99, qui est un pilote du GP2 d'ailleurs du forum. Qui était, et donc la réponse était Natum. Voilà, c'était assez facile puisque Ricky avait déjà annoncé la couleur. Prochaine question. Donc voilà, prochaine question. N'hésitez pas à noter avec le hashtag pronostic. Est-ce que Grosjean sera dans les points lors du prochain Grand Prix aux USA? Est-ce que Grosjean sera dans les points lors du prochain Grand Prix aux USA? Roby, à ton avis, est-ce qu'il sera dans les points? S'il n'a pas de soucis comme au Grand Prix du Japon, pourquoi pas? Mais je m'attends plutôt genre qu'ils finissent à la porte des points. C'est-à-dire encore une fois. 11, 12, 13, ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et Chemi, à ton avis? On va être sur les terres de Haas Grand Prix. Ouais, alors moi, c'est pour ça. Oui, il va mettre des points. Pareil, pareil, pareil. Très bien. On verra ça donc dimanche prochain. Donc nous enregistrons le 14 octobre. La vidéo va sûrement être en ligne le 16. Ou le 17, ça va dépendre du temps qu'on aura. Je remercie notre invité Robin Wood. Merci à toi d'être venu, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Je te souhaite une bonne continuation pour cette saison F1, pour ta première. Merci. Ça se trouve on te retrouvera en cours de saison dans cette émission. Pour parler justement de la suite, de ce qui s'est passé, et est-ce que tu vas peut-être participer au championnat Project Car. Donc encore une fois, merci à toi pour être venu. Merci à vous, c'est un grand plaisir. Et Chemi, merci à toi pour ta présence, encore pour ta lumière, pour tout ce que Arrête, tu veux. Tu vas me faire rougir. Ouais, je sais, je sais. En tout cas, merci à toi aussi, Chemi, d'être venu, d'avoir participé à ce débat. Ça me fait plaisir. Donc, tout le plaisir était pour moi. Bon, c'est super. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à répondre à la question concours, encore une fois. Donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt et ciao. Salut.